Et re tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FF14. Donc la dernière fois on avait fait le donjon, l'atelier abandonné de Matoya il me semble. Voilà, donc ce donjon qui est vraiment excellent. Par contre ce qui me fait bizarre c'est voilà, on n'a pas l'icône. Cette mission fait l'objet d'une synchronisation du niveau d'objet. C'est assez bizarre mais bon. Enfin bref, on va continuer notre aventure. On va parler à Alfino ici, si j'y arrive à bien zoomer. Donc la résolution de l'amiral. Alfino semble impatient d'aller annoncer la bonne nouvelle à Merluib. Bien, je propose que nous retournions à l'Imsa Lumina pour annoncer la bonne nouvelle à l'amiral Bloifuissim. Ok, son nom imprononçable. Enfin bref, à l'amiral. Retrouvons-nous au bastingage. L'officier du Maelstrom là-bas pourra nous emmener jusque dans son salon. Ok. Non mais moi je suis voilà une taille, hein. J'y vais en TP. Hein. En tout cas, c'est bien de suivre un gros groupe comme ça. Pour refaire Shadowbringer, j'avais pas suivi le groupe. J'avais attendu quelques jours pour attendre pour faire le. L'épopée, bon, je me suis fait spoiler sur pas mal de choses. Là, j'ai évité. Sincèrement, j'ai coupé Discord, j'ai coupé Twitter. Parce que je voulais pas me faire spoil. Parce que bon, c'est chiant, quoi. On n'a pas l'effet de surprise. Hop, alors. Voilà, toi, t'es grand, ça va bien pour prendre la quête. Oh bonjour Rezaline, c'est un plaisir de te revoir. L'amiral est malheureusement en pleine réunion avec des émissaires. Avec les émissaires des kobolds et des Sawagin. Cela dit, si tu es venu jusqu'ici, c'est sûrement pour une bonne raison. Suis-moi si tu le veux bien, je doute qu'elle refuse de te recevoir. Tu m'étonnes.
Et c'est reparti. Donc parler à Alphino. Ok. Second service. Pour commencer, je propose que nous allions chacun de notre côté interroger les Limcea au sujet de Sicar et des bourreaux. Ratia, Alizé et moi allons faire un tour dans la cité et questionner les marchands et les aventuriers. Pendant ce temps, allez donc discuter avec quelques pirates, si possible des capitaines d'équipage. Nous nous retrouverons ici une fois que nous aurons terminé. Ok. Alors, je dois aller où pour ça? Ok. Je vois à peu près. Je vois. Donc, c'est pas dans cette zone-ci. C'est par là-bas. Quoique je peux récupérer ici et monter. Alors, ensuite, c'est à peu près tout droit, hein, c'est là-bas. Bizarrement, ici, il n'y a presque personne. Alors, le premier. Hein, Sicar, tu veux savoir ce que je pense de lui? C'est du menu fretin qui se prend pour un gros poisson, ouais. Il a trouvé une belle entourloupe pour rater des piécettes facilement. C'est comme ça qu'il a doublé Moinskaet et qu'il est devenu le bras droit du vieux Ilfir. Il n'y a pas si longtemps encore, les bourreaux et les sirènes se tiraient la bourre sur l'océan. La compétition était féroce. Le plus rapide à aborder les vaisseaux impériaux empochait tout le pactole. Mais c'est du passé tout ça. Le nombre de bateaux garde le Maltais s'est réduit comme peau de chagrin. Alors on est tous à cran à chercher un nouveau moyen de se remplir les poches. Et v'là-t-il pas que ce frelouquet de Sicar qui déniche la meilleure combine. Oh, c'est louche ça. Pour les sirènes, c'est la pêche en haute mer qui nous permet de subsister. On accompagne les bateaux de la guilde des pêcheurs pour les protéger des sawagines et des autres créatures marines. En échange, on récupère les plus belles prises et avec le savoir glané à la guilde des cuisiniers, on en fait des bons petits plats. Ça permet à mes sirènes coincées au port d'avoir quelque chose à faire de leurs 10 doigts. Il y en a qui ont trop douillé à la grande époque de la piraterie et qui peuvent plus naviguer, et d'autres qui ont choisi de s'installer et de fonder leur famille. Si ça tenait qu'à moi, on serait toujours en train d'écumer les océans, c'est sûr. Mais quand je vois mes louves de mer avec leurs petits, un grand sourire sur le visage, je me dis que c'est pas plus mal de rester tranquillement au bercail. Ok. Donc premier c'est fait, et le deuxième... Le deuxième. Où se trouve-t-il? Ok, un peu plus haut. Alors, je pourrais prendre les éthérites, mais la flemme. Pourtant, ça irait beaucoup plus vite. Hein. Mais bon. Comme ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici, ça me permet de me remémorer, on va dire, un petit peu les endroits. Alors... Bonjour Rosaline, tu cherches des informations sur Sicar. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'en même temps qu'il prenait du galon chez les bourreaux, leurs affaires s'amélioraient. Ce que tout le monde se demande, c'est comment il s'y est pris. Les régulations en place à Limsa Lominsa n'autorisent
la piraterie qu'envers les navires impériaux. Mais, tu dois bien le savoir, l'Empire est en proie au chaos depuis un moment. Par conséquent, le commerce entre les provinces annexées est au point mort, et peu de vaisseaux impériaux ont été aperçus récemment. La Horde du Kraken a décidé de remédier à cette situation en ouvrant les nouvelles routes de commerce avec les nations alliées en Orient. Les bourreaux, eux, sont réputés pour être très conservateurs. Je les vois mal abandonner leur habitude si facilement. Mais alors, comment diable font-ils pour remplir leurs coffres? J'avoue que je suis moi-même curieux de connaître la méthode miracle de Sicar. Alors... Il faut se rendre... à la grande éthérite. Hop. Oh là, la flemme. Et on va rendre la quête. Toujours du monde ici. Hein. Alors. Tout le monde est là? Parfait. Alors qu'avez-vous découvert? Beaucoup de choses. On va rendre la quête. Pourquoi je peux pas sélectionner? Ok. Ah oui, en fait la quête est terminée. Donc ça c'est pour reprendre l'histoire. Donc ça sera dans le prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour continuer la suite de notre aventure. Par contre moi ce qui est en train de me tarder juste avant de clôturer ça, c'est ce qui ça inquiète personne ce qui se passe actuellement à Garlemald ou... Moi je dis ça, je dis rien, mais bon, ça m'inquiète un petit peu. Hein. Donc voilà, on va mettre fin là et on se retrouve très vite.